Oh, ça va être ouf. Punaise. Ça n'a rien à voir. C'est génial. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne des passeurs. On vient d'entrer dans la maison Annabelle. Un lieu qui était très à la mode à un moment. Dans toutes les photos de mariage et tout. Par contre, j'ai pas beaucoup d'infos sur cette maison. Il y a encore quelques verres. Et ouais, on m'avait dit que toute la vaisselle avait été volée, mais il y a encore des trucs. Ou ils ont tout remis, je sais pas. Enfin, ils ont remis des trucs. Oh, c'est joli quand même la vaisselle, t'as vu? Ouais. Au nom de Sa Majesté, le roi de Belgique, ça parle de son secrétaire et il n'aurait pas à comprendre de quoi ça parle. Le roi de Belgique. Eh ben. Oh! Que quoi? Mais qui a des murs comme ça? Qui? Fais pas trop de bruit. Ouais, on nous entend bien. Là, t'as vu le... Très bien. Oui, je fais pas de bruit. Oh, génial. On voit mieux là. Ouais, je sais pas. Pourquoi il y a autant de trucs là? Décès. Oh. C'est bizarre. C'est chelou, ils sont tous pareils en plus. Il y a encore une salle à manger ici. Oh putain, mais... On va encore passer des heures. Il y a combien de salons? C'est déjà le troisième salon. Troisième salon. Et non, mais ça va par là aussi. Hein. C'est un labyrinthe, le truc. Ok, ici, ça s'arrête. Ok. Donc ça, c'est fait. Oh putain. T'as rallumé. Je vais aller voir la haie, ça doit être incroyable, les pièces. C'est là-bas. Oh, ça va être ouf. Ça n'a rien à voir. C'est génial. On vient de rallumer l'électricité. On est dans... Pourquoi ça change de truc? Sur un bouton. On vient de rallumer l'électricité. On est dans... Pourquoi ça change de truc comme ça? Je le mets pas ici. Je le mets, c'est marrant. On vient de rallumer l'électricité. Comment j'ai fait pour changer de truc? Je sais pas. Comme ça. Thank you.
coup tu sais le remettre. Bah je peux, mais je pense que ça va se recouper tout ça. Ouais. Ouais, il est reparti. Bah non. Je crois qu'on a eu les dernières gouttes d'électricité d'Annabelle. C'était un cabinet de médecin ou quelque chose comme ça. Parce que ça, on dirait une salle d'attente. Ouais. Et là, j'ai vu. Ça. C'est une plaque. Il y en avait une dans le manoir de l'avocat. Il y avait une plaque exactement comme ça. La cuisine. Il y a une odeur ici. Il y a un parfum, ouais. Et là, c'est quoi ça? Oh. Des gros robinets. Tu trouves pas qu'il fait très très froid dans cette maison? Plus que dehors. Non. Je sais pas, je caille d'un coup. Et ici, il y a un parfum, c'est bizarre. Cuisine, je pense. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui ont ouvert des trucs, qui ont fait des petites expériences. Donc, comme promis, Jérôme, j'ai gardé ma couronne. Parce que j'ai eu la fève hier et Jérôme m'a dit demain en urbex, tu laisses ta couronne, je veux la voir sur la vidéo. Elle est là. Ça me rappelle le couvent des bonnes sœurs, avec la porte pour se suicider. Ça mène dehors, non, on dirait. Oui, vas-y, passe. C'est chelou. Bien. Oh, il y a encore un étage. Quoi? Ouais. Non, mais elle est énorme. Ouais, ça mène dehors. C'est pour se suicider. Ah, il y a un petit balcon. Ouais. Ouais. J'en perds ma couronne. Ouais. On se disait qu'il n'y avait pas encore eu de salle de bain. La voici. Alors, je m'attendais à mieux. Ouais. En fait, il n'y a que le bas qui est ouf. Il y a une pièce, hein, le reste c'est, je sais pas, une pièce, le couloir et... Oh, oh, oh ouais, non, sympa ça. Il y en a qui ont dormi ici, quoi. J'ose pas, ça bouge ici. De toute façon, y'a rien, on est d'accord. Ouais. Y'a vraiment une chaise. Ah, le sol, le parquet, il est tout mouillé. Ouais. Ah ouais, non, bah viens, on se casse. Règle numéro 1 en urbex, ne jamais marcher sur un parquet mouillé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. À chaque fois je regarde le micro quand je parle, qu'est-ce que tu fais? Ouais, parce que vous voyez pas en fait, c'est que si on se met debout normalement... Voilà, du coup... Petite sirène de flic. Ouais, j'attendais de voir si ça s'éloignait.